Bonsoir à tous et bienvenue dans C'est du Belge. Bonsoir Gérald. Bonsoir Barbara. Alors pour cette dernière émission de l'année 2014, nous allons fêter un anniversaire et pas n'importe lequel, les 10 ans de la Belge Odyssée. Alors la Belge Odyssée, c'est une opération que vous, chers téléspectateurs et auditeurs de la RTBF, connaissez bien, puisque ce concours de journalisme a été lancé sur nos antennes en 2005 afin de jeter des ponts entre les trois communautés linguistiques de notre pays. Et pour fêter cet anniversaire, nous sommes à la RTBF, à Reyers, à Bruxelles, et dans un instant, derrière nous va se dérouler la cérémonie en présence d'un invité de choix, Sa Majesté le Roi Philippe lui-même, qui remettra les prix aux lauréats de l'édition 2014. Et en 10 ans, on peut dire que de nombreux jeunes participants ont pu goûter au métier de journaliste. Il est aussi important de souligner que la Belge Odyssée est entre autres soutenue par le fonds Prince Philippe. Mais c'est un autre Philippe qui nous parle de ce sujet. Voici le reportage de Philippe Malbury. La Belge Odyssée est un concours de reportage destiné aux étudiants et jeunes journalistes. Après une sélection de candidats, 8 couples bilingues ont été formés. C'était en octobre, avec un cadre bien précis à respecter. Faire travailler ensemble des jeunes néerlandophones et des jeunes francophones, des germanophones également. Et c'est souvent quand on travaille ensemble qu'on apprend à se connaître et puis à s'apprécier. Puis on se rend compte que finalement, il y a beaucoup plus de ressemblances entre nous que de différences. Et à une époque où certains essayent de construire des murs entre nos communautés, la Belge Odyssée jette des ponts. Un exemple concret, nous voici à Wemmel, au plus grand bowling du Benelux, à la découverte de notre couple de jeunes journalistes, Mariam et Tiffany, briefés par Olivier, animateur radio de Vivacité. On essaye dans la mesure du possible, quand ça tient la route, de garder l'ordre d'enregistrement par rapport à l'ordre de séquence de l'émission. Alors on fait comme à l'école, on lève le doigt, et comme ça Bernard peut percher chez les uns et les autres. Nos journalistes sont prêtes pour de nombreux rendez-vous tout au long de la journée. À chaque fois, des interviews serviront de base à la réalisation d'une édition de l'émission radio Grandeur Nature. Mariam, vous avez décidé de nous emmener dans un bowling pour commencer cette émission ici à Wemmel. Eh bien oui, c'est un ami qui m'a parlé du bowling ici et c'est le plus grand bowling de Belgique apparemment. Ouais, Yann Van den Donk, vous êtes le responsable commercial de ce Bowling Stone. Bowling Stones. Pourquoi oui. Il s'appelle Stones? Bon, on a fait un petit peu jeu de mots avec, vous connaissez les autres régions, hein. Bon, Rolling Stones. C'est très bien pour visiter une fois le bowling à vendredi soir ou samedi soir parce qu'on a un disc jockey, on fait des jeux avec de la lumière, il y a vraiment de disco. Et il y a 600 personnes dans la salle et c'est vraiment la fête. Direction ensuite un restaurant tout proche où la clientèle s'exprime également dans les deux langues. Mais pas de quoi effrayer le chef français de cet établissement. Ici, c'est vraiment un lieu de contact avec le client. Et est-ce que ici, les gens parlent souvent néerlandais? Est-ce que ça va avec le néerlandais? Moi, j'ai pas de problème. Vous êtes parfaitement bilingue et non, je suis pas du tout bilingue. Je suis bilingue, je suis grec-français. Je parle un peu, j'ai habité quand même 8 ans en Gand, donc je parle un peu néerlandais, mais je n'arriverai pas à tenir conversation. Et gebruikt u ook Belgische producten in uw keuken? On essaye d'en trouver, Malheureusement, il y en a de moins en moins, et nous sommes dans une région qui n'est pas propice à ça. Donc, c'est-à-dire, on doit, pour les jets de houblon, il faut se déplacer vers Alost, pour les asperges, vers Malines, pour les coucous de Malines, là aussi, donc on va vers ça. Ensuite, rencontre avec le bourgmestre de cette commune à facilité qui vient de célébrer pour la première fois un mariage dans les deux langues. Comment fait-on à Wemmel pour demander des facilités pour son mariage? Eh bien, pour le mariage, on doit s'inscrire et puis on fait la demande, tout simplement. Et puisque ce sont des choses qui appartiennent à la personne, qui sont tout proches de la personne, il y a les facilités qui comptent et qui sont en vigueur. Et comme ça, on respecte, c'est tout. En was het moeilijk voor u om over te schakelen van Nederlands naar het Frans? Nee, dat gaat wel. Dat vraagt een beetje aanpassing. Maar une fois qu'on est parti, bon, ça va. Hein. Il faut surtout pas avoir peur de faire quelques petites erreurs qui sont souvent un peu rigolo et qui rendent un peu l'ambiance positive. C'est intéressant de voir comment elle traite les sujets et puis voir comment elle travaille et apprendre. Voilà. On est un peu complémentaires donc sur certaines choses. Par exemple, pour la radio, je l'aide. Pour la photographie ou bien les articles web, elle peut m'aider. Et, voilà, parce qu'elle est plus du domaine écrit et moi plus de la radio. Donc on se mélange.
dernier rendez-vous au CERF du Jardin botanique de Meize. Et l'illustration, une nouvelle fois, qu'être journaliste, c'est d'abord faire preuve de curiosité. Alors maintenant, nous sommes avec Franck Hedvegi, qui est chargé de communication pour donc le Jardin botanique de Meize. Et donc ici, oui, c'est vrai qu'il fait, il fait beaucoup plus chaud qu'à l'extérieur. Et donc ici, on est un peu dans un jardin, un tour du monde des plantes. Voilà, c'est ça. En fait, cet espace, donc le palais des plantes, qui fait à peu près un hectare, il y a une dizaine de serres. Et en faisant le tour des serres, on fait vraiment un tour du monde végétal. Depuis notre tournage, le jury de la Belgodyssée a pu apprécier le reportage de notre duo. Et peut-être a-t-il été séduit ? La réponse avec le nom des lauréats de l'édition 2014. La Belgodyssée, une belle initiative créée à la RTBF par Adrien Jovenot qui nous a rejoint. Bonsoir Adrien. Bonsoir Gérald, bonsoir à tous. Alors Adrien, en 2005, quand vous avez eu cette idée, cette belle initiative, avez-vous cru une seconde que vous seriez ce soir ici pour fêter les 10 ans ? Non, pas avec un roi. D'abord, c'était le fond prince Philippe qui nous a aidés à monter cette opération. Et j'aurais jamais imaginé que ça allait prendre une telle ampleur. On a, en 10 ans, reçu 580 jeunes qui ont fourbi leurs armes, leurs micros, leurs caméras dans notre émission et qui nous ont donné vraiment une espèce de nouvelle impulsion pour continuer. Et aussi pour jeter des passerelles, parce que vous savez que beaucoup de personnes dans notre pays construisent des murs. Mais nous, on jette des ponts, je trouve que c'est plus sympa. Au-dessus des murs. Voilà. Alors après 10 ans, dans quel état d'esprit êtes-vous ce soir ? Ah, super heureux, un peu comme on est à la veille d'une fête de famille. Revoir les 160 lauréats, ça fait chaud. Quoi. Des bébés un peu ? Ouais, je me sens un peu comme un papa. Et dans un endroit symbolique, parce qu'on est à Reyers, dans les studios de la RTBF, et ce sont les caméras de la VRT qui vont filmer la cérémonie. Donc ça, c'est une mooie samenwerking. Absolute. Alors, pour ceux qui n'auraient pas compris, j'ai dit absolument, bien sûr. Qu'est-ce qui caractérise, je dirais, le millésime 2014 et est-ce qu'il est aussi bon que les autres ? Oui, il est même meilleur parce que les jeunes font du cross-média, un peu de radio, un peu de télé, du web. Et puis le thème de cette année, c'était les couples mixtes et on s'est rendu compte que la Belgique qui gagne souvent, eh bien, c'est la Belgique multiculturelle. Des gens qui n'ont pas eu peur de traverser la frontière, ils ne parlent pas la même langue, mais ils brûlent du même amour. Ils font de beaux enfants. Entre autres, les lauréats de la Belgodyssée. Et ben voilà, c'est un événement, on peut le dire. Et pour célébrer cet anniversaire, eh bien on peut dire que c'est un événement dans l'événement, puisque ce soir, ici, à Reyers, à la RTBF, Sa Majesté le Roi Philippe sera présent pour remettre les prix aux lauréats. Et les caméras de C'est du Belge, bien évidemment, étaient présentes. Fin d'après-midi, le roi est accueilli par les administrateurs de la RTBF et de la VRT. Il a tenu sa promesse en se rendant à Reyers pour la remise des prix de la Belgodyssée. Habituellement, cette cérémonie se déroule au Palais de Bruxelles, mais ici, on change les habitudes pour la 10e édition. Mesdames, messieurs, bonsoir. Welcome of this... C'est déjà la 10e, hein? Tinde et d'ici, van Belgodyssée. La soirée s'annonce festive et quelque peu stressante pour les candidats qui attendent les résultats. C'est l'occasion aussi de revenir sur le concept qui fait la force de la Belgodyssée. La Belgodyssée, c'est un projet dans lequel on montre la richesse de la diversité et la grande force de travailler ensemble. Et je pense qu'on envoie un formidable signal aux citoyens. Nos rédactions dans l'avenir regarderont ensemble dans chacune de nos communautés. Côté résultat, Tiffany, que nous avions suivi sur le terrain, a reçu le prix de la presse écrite côté néerlandophone. J'ai toujours bien aimé la presse écrite et recevoir le prix de la presse écrite encore en plus, c'était vraiment ce que je voulais. Parce que je m'étais déjà dit, si c'est la radio, ouf, ça va être plus compliqué parce que j'ai pas beaucoup l'habitude avec la radio. Mais la presse écrite, oui, donc je suis vraiment très 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 heureuse. Et Mariam, son homologue francophone, me direz-vous, second élément du binôme. Eh bien là aussi, le travail fut apprécié et récompensé. On va écouter un extrait du meilleur reportage diffusé cet automne sur Vivacité. L'auteur de ce reportage va se reconnaître, va se lever et va nous rejoindre ici dans quelques secondes. Lorsqu'on est enfant, on écoute des contes de fées. Je gagne un contrat de 6 mois à la RTBF, 5 mois à la RTBF et 1 mois à la VRT, donc en néerlandais. C'est important, ça, c'est un défi aussi ? C'est un défi, mais je pense que je vais tout faire pour que ça marche. Et...
Voilà, c'est une promesse. Le roi Philippe a également récompensé Nikeli de Seninck, prix Radio Touée, Hélène Servet, prix de la presse écrite francophone, Eline Vandenbroek et Martin Corlier ont reçu le prix de la meilleure collaboration. Voilà le nom de plusieurs jeunes journalistes qui seront bientôt présents dans les médias du Nord et du Sud du pays. Je suis aux côtés de Jean-Paul Philippot, l'administrateur général de la RTBF. Alors, monsieur Philippot, la visite se termine. La cérémonie de la Belle Odyssée vient de se clôturer. Ce n'est quand même pas anodin, une visite royale à la RTBF. Comment ça s'est passé? Dites-nous. Écoutez, ce n'est pas anodin de voir le roi Philippe venir remettre pour la 10e année consécutive les prix des lauréats de cette superbe opération. Il a commencé, il était prince, avec un fonds qu'il a créé. Il l'a accompagné dans la durée, il est roi aujourd'hui, et pour ses 10 ans, il nous fait l'honneur de venir dans nos locaux, qui sont surtout les locaux des lauréats et lauréates de la Belle Odyssée, les bâtiments de la RTBF et de la VRT. C'est une forme de fierté, mais surtout une reconnaissance du travail que nos lauréats font depuis 10 ans. C'est une opération importante pour la RTBF, la Belle Odyssée. Ça permet justement de tisser des liens avec l'autre partie du bâtiment. Alors ça crée et ça tisse des liens avec l'autre partie du bâtiment, entre Vivacité et Radio Touée. Ça permet d'identifier des talents. Nous avons aujourd'hui 15 de nos collaborateurs et collaboratrices qui ont été finalement sélectionnés, révélés par la Belle Odyssée. Ça témoigne de deux choses. Un, c'est par l'apprentissage et l'énergie, l'audace que l'on met dans ce type de prix qu'on devient des bons journalistes. C'est par l'ouverture aux autres et la collaboration avec les communautés qu'on apporte un plus à la RTBF, à la VRT, à nos auditeurs et nos téléspectateurs. Alors, il n'a pas été lauréat de la Belle Odyssée, mais il est à nos côtés, Gérald Loitelet, avec qui j'ai entendu dire que vous aviez cuisiné. Est-ce vrai? Alors, nous avons cuisiné, il m'a fait partager une recette de sa maman. Ah, il fait toujours la même chose. C'est ça marche. On a eu quelques surprises quant à la couleur qu'elle prenait. Oui, on a eu des surprises quant à la couleur, mais c'était pour une bonne cause, puisque c'était pour Viva for Life, qui est une cause qui tient aussi à cœur à la RTBF. On peut rappeler que le but est de récolter des fonds pour venir en aide aux 40 000 enfants de 0 à 3 ans qui vivent sous le seuil de pauvreté chez nous. Et effectivement, donc, monsieur Philippot est venu cuisiner dans l'émission Un gars, un chef. Il nous a rejoint, Adrien et moi, nous avons préparé une soupe bien nourrissante qui sera vendue au profit de Viva for Life dès demain sur la place Saint-Étienne à Liège. Alors, monsieur Philippot, cette expérience culinaire en duo, comment avez-vous trouvé ça? Je l'ai apprécié et j'invite tous nos téléspectateurs à être demain place Saint-Étienne. On sera ensemble à partir de 11h pour vous faire partager cette remarquable recette de votre maman que je salue et que je félicite. Je serai très heureuse. Alors dites-moi, ce soir c'était un grand soir, il y a pas mal de journalistes qui après continuent à la VRT ou à la RTBF chez nous. Est-ce que c'est un hasard ou bien c'est un peu la nurserie, je dirais, de la RTBF, le Belle Odyssée? C'est en tout cas un très beau révélateur. Un révélateur d'un talent, un révélateur d'ambition, un révélateur d'ouverture vers l'autre communauté. Et le projet de la Belle Odyssée qui fait travailler en couple de jeunes Tintin reporters francophones et flamands pour aller à la découverte d'une et l'autre communauté, ça témoigne d'une ouverture d'esprit, d'une envie d'ouverture dont on a bien besoin dans nos rédactions. Donc on peut le dire, la Belle Odyssée, vous l'avez compris, est à la fois un découvreur de talents et un véritable tremplin professionnel. Et Barbara, le duo gagnant en 2012, en est la preuve vivante. Et oui Gérald, une néerlandophone et un francophone travaillent désormais sur nos ondes. Regardez ce reportage d'Isabelle Petit-Dufresnoy. Mitchell et associé pour un montant total de 60. Les agendas de Maxime Paquet et de Sophie Verbruck n'ont pas affiché beaucoup de pages blanches depuis 2012. La Belle Odyssée a véritablement lancé leur carrière radiophonique. Flashback, 2 ans plus tôt, quand tout a commencé. Journée. Je revois avec plaisir ma binôme flamande. C'était chouette de bosser avec elle. Bon, malheureusement, elle n'a pas gagné parce que c'est la réalité du concours, mais voilà, ça fait plaisir. Celle qui a gagné avec Maxime, c'est donc Sophie. On l'a rejoint à Radio Touée. Ce moment-là, j'étais tellement énervée. Je pensais, est-ce que je vais gagner? Est-ce que je ne vais pas gagner? Et à un moment-là, j'entends le son de mon reportage et je sais... Je peux travailler 6 mois à la Radio 2
Mais c'est comme un rêve. Maxime, une commune qui est ambassadrice ici en Flandre, Saint-Tron. Exactement, la commune de Saint-Tron. J'ai appris à découvrir les rouages d'une émission radio, avec en plus de la télé derrière, mais donc toute l'organisation, la prise de contact, la mise sur antenne. Sophie Verbrugge de Alken. Le côté accueillant de la Wallonie, ça m'a vraiment touchée. Et pendant mon stage de la Belgorissée, j'ai eu l'opportunité de travailler une semaine à la RTBF et mon collègue une semaine à la Radio 2. Et c'était tellement intéressant pour voir comment les autres journalistes travaillent. Il y a des différences, mais on peut aussi apprendre un de l'autre. Donc je trouve qu'on doit faire ça plus. La journée commence. Plongés dans les dépêches et les revues de presse, Sophie et Maxime œuvrent chacun à la rédaction de leur rubrique. C'est l'occasion de les interrompre et de faire le point sur leur parcours respectif. Après la Belgorissée, j'ai commencé à la Radio 2 à Bruxelles. Et là, j'ai fait pendant 2 mois le programme d'été. Et après, j'ai fait un examen et j'ai eu 1 an en plus pour mon contrat. Et au début de septembre, je suis venue ici à la radio de Vlaams-Brabant et maintenant je travaille déjà 4 mois ici. J'étais diplômée en juin 2013 et puis en septembre j'ai commencé donc mon contrat stage de 6 mois pour les radios de la RTBF. J'ai été repris comme pigiste, donc j'ai continué à travailler pour la cellule société. Et puis pour d'autres, j'ai fait un petit peu de tout et je suis toujours là. Une empoignade confuse entre les forces israéliennes. Les rédactions de la RTBF ou de la VRT ont chacune embauché des anciens candidats devenus des familiers de notre information quotidienne. La Belgodyssée recrute bel et bien des talents et leur met le pied à l'étrier. C'est un véritable carton. J'ai participé à la première saison, c'était l'Europe grandeur nature. Et effectivement, les gens qui sortent de Belgodyssée, on les retrouve ensuite à la rédaction. Des nouveaux collègues qui ne sortent pas de n'importe où, ils sont passés par la Belgodyssée. C'est un peu comme une classe préparatoire à nos rédactions. Et on se rend compte que c'est des gens qui sont débrouillards, qui sont proactifs. Et puis voilà, Maxime, c'est quelqu'un de super agréable. Donc je pense qu'on y a gagné beaucoup. De man die die feiten heeft gepleegd, die hebben ze nu gevonden. En dat blijkt iemand die geïnterneerd was. On découvre chaque année beaucoup de jeunes étudiants de journalisme. Les gagnants, évidemment, ils peuvent travailler à la VRT pour 6 mois. Mais aussi les autres candidats qui n'ont pas gagné, eux aussi, ils ont fait des reportages professionnels avec matériel professionnel dans un environnement professionnel. Et surtout, c'est très chic sur un CV, l'expérience Belgodyssée. Ce qui m'a attiré vraiment dans la radio, c'est en fait que c'est un peu imaginaire, c'est un peu la fantaisie. Avec une petite image très cinématographique, on doit attirer l'auditeur et l'accrocher dans notre histoire. Je veux vraiment faire une fois une grande élection. Je pense que l'atmosphère là, entre les journalistes, ça doit être quelque chose, oui, hyper chouette, je pense. Je pense qu'on ne se rend pas bien compte, vu d'ici, d'à quel point l'Est de l'Ukraine est dans une situation calamiteuse. Et donc ça, c'est un truc que j'aimerais vraiment bien aller voir. Les meilleures histoires, c'est les histoires qui ne sont pas vraiment grands, mais qui touchent quelqu'un. Ça, je trouve, oui, ça, je veux bien faire. Quelques journalistes du journal télévisé sont passés par la Belgodyssée et notamment parmi eux Quentin Warlop. Bonsoir Quentin. Bonsoir Barbara. Alors donc vous êtes un des lauréats des dernières années. On a envie de savoir c'était quand votre Belgodyssée à vous. Mais c'était déjà en 2009. Ouh. Ça fait déjà 5 ans, c'est déjà loin. Et comment ça s'est passé après alors? Ça s'est super bien passé. J'ai terminé mes études à la KUL en Flandre, à Leuven. Et à la suite de cela, j'ai eu l'occasion de signer un contrat de 6 mois à la RTBF. J'ai fait de la radio, de la télé. Et puis après, tout s'est enchaîné. Et on vous a gardé. Voilà. Et maintenant, je viens de signer un CDI cette année. Donc, c'est magnifique. C'est génial. Une belle expérience. Et justement, à ce propos, qu'est-ce que vous retenez de cette expérience Belgodyssée? Mais en fait, beaucoup de rigueur, c'est surtout ça. C'est la rigueur et le professionnalisme. Je pense que, voilà, quand on part, nous on est partis, on avait une semaine pour préparer tous nos reportages, donc c'était vraiment très très peu. C'est un peu dans les conditions dans lesquelles on travaille aujourd'hui pour le JT, où on ne sait pas ce qu'on va faire le matin, il faut déjà un sujet pour le journal de 13h. Et là, on a eu juste une semaine pour faire toute une série de reportages et une émission pratiquement de 2 heures à la radio, donc c'était du sport. Mais ça s'est bien passé. Vous êtes un grand travailleur, mais j'imagine que vous avez aussi un peu le temps d'avoir des loisirs.
Oui, exactement. Comme par exemple celui d'aller au théâtre. Est-ce que vous avez déjà vu Mademoiselle Bellemans, le mariage ? Non, mais je veux le voir. Ah bah alors, vous restez avec nous, on va en parler juste après la pub. Nous voici de retour dans cette émission spéciale présentée depuis la RTBF pour la DER des DER de l'année 2014. Une RTBF qui décidément compte pas mal de talents puisque dans quelques jours, vous allez découvrir certains de vos animateurs favoris jouer une célèbre pièce, Le mariage de Mademoiselle Bellemans. Et oui, ils s'appellent Guy Lemaire, Adrien de Viver ou Marie-Hélène Vanderborg. Ils sont journalistes ou animateurs à la RTBF et ils se sont prêtés au jeu de la comédie. C'est un moment à découvrir le 26 décembre. C'est-à-dire le lendemain de Noël. Ah oui, Barbara, mais cette célèbre pièce a aussi inspiré le Lions Club Bruxelles Amigo, qui a organisé un véritable mariage de Mademoiselle Bellemans avec tout le bazar, les costumes d'époque, dans le cadre de l'hôtel de ville sur la Grand Place de Bruxelles. Et en plus de tout ça, un cortège dans les rues de Bruxelles et puis aussi une ambiance à la Zouanze pour le plus grand plaisir des touristes présents ce jour-là. Marie-Jeanne Van Eswijk s'est glissée dans les coulisses de cette fête très bruxelloise. Un spectacle inhabituel sur la Grand Place de Bruxelles. Un mariage en grande pompe et en costume de 1910. Voilà qui attire l'attention des nombreux touristes présents qui croient assister à un véritable cortège de noces. Et pourtant... Ce mariage, c'est une création du Lions Club Bruxelles Amigo dont tous les membres sont présents, aux côtés de quelques comédiens amateurs trop heureux de participer à cette noce historique. Car ce mariage est le prolongement de la pièce à succès du théâtre bruxellois, Le mariage de Mademoiselle Bellemans. Vous l'aimez un peu aussi ? Oui ? Bon, c'est bien, alors on continue. Voilà. Dans l'hôtel de ville de Bruxelles, Suzanne, que pour les intimes, épouse enfin son Parisien, Albert Delpierre, après bien des quiproquos et l'opposition de son père, M. Bellemans, qui lui voyait un tout autre avenir. Consentez-vous à prendre pour époux M. Albert Robert Delpierre ? Yeah. Créé en 1910, le mariage de Mademoiselle Bellemans est aujourd'hui encore la pièce belge la plus jouée dans le monde, traduite en 17 langues. Un succès hors norme pour une pièce écrite à la hâte, en quelques jours, qui devait remplacer au pied levé un spectacle annulé au Théâtre des Galeries. Ses auteurs, Fonson et Wischler, espéraient tenir l'affiche pour deux ou trois semaines. Ce fut un véritable triomphe qui se prolonge jusqu'à nos jours, car la pièce est régulièrement rejouée. Et vous pouvez la dire, vive le mariage ! Tout comme la pièce, le mariage se veut un monument du folklore bruxellois, où le cervelas, la zouanze ou le bruxelleur font bon ménage. Dans leurs magnifiques costumes ou coiffés de superbes chapeaux, les invités vivent l'événement avec humour et bonne humeur. J'ai toujours dit que j'aimais ce garçon, oui. Et je suis bien content que maintenant elle soit bien mariée, voilà, et qu'elle soit heureuse. Oui, sauf qu'il n'a pas toujours dit qu'il aimait ce garçon. Hein. Au contraire, hein. Je l'entends encore dire « Oui, je n'aime pas ce garçon. » Mais maintenant, il l'aime. Mais il faut dire qu'il est tellement gentil. Hein. Et puis, on a hâte d'avoir des petits-enfants. Hein. Allez. Santé. Santé, Hortense. Oui, mon chouquet. Jacqueline est la fille du regretté Jacques Lippe, qui a véritablement incarné M. Bellemans au théâtre. On dit que vous êtes un faiseur d'embarras et on vous évite. Monsieur, je n'ai jamais remarqué cet ostracisme. 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 Vous en brûlez. Moi, je n'aime pas ce garçon. Hein. Le long cortège de mariage a traversé la Grand Place pour arriver devant le Théâtre Royal des Galeries, qui joue encore régulièrement le mariage de Mademoiselle Bellemans. Un passage très symbolique pour les couples de jeunes mariés. On est heureux et on est très fiers d'interpréter cette pièce de théâtre et d'en sortir mariés réellement, en tout cas. Oui. Je ne sais pas ce que tu en penses. Pour le meilleur. La même chose. Donc voilà, pour le meilleur et pour le pire. Le rire. Voilà. Albert et Suzanne Que ont emmené leurs invités dans une superbe salle de l'hôtel Plaza pour un repas de noces et une soirée de fête. Les bénéfices de l'événement sont destinés aux œuvres du Lions Club Amigo, un club qui allie à merveille l'humour et la générosité. Comme je suis une plus
bruxelloise de naissance et que je trouve que le bruxellois se perd un peu. Et ce que je trouve tellement dommage, parce que le bruxellois a tellement de qualités, mais il est tellement modeste. Et donc la dérision, on en a besoin aujourd'hui. Et la fête s'est clôturée avec la spectaculaire pièce montée d'une célèbre maison bien bruxelloise. Une autre fête qui s'annonce, le réveillon de Nouvel An. Il est grand temps d'y penser, car voilà bien une fête qui ne s'improvise pas. Alors, plongeons dans nos souvenirs pour découvrir comment, à une certaine époque, Barbara, ce genre de fête s'organisait. En 1971, le magazine télévisé Féminin Présent, qui était le rendez-vous hebdomadaire de la femme au foyer, et oui, proposait déjà quelques idées pour réussir cette fête, pas comme les autres. Regardez ces images collectées par Véronique Torton. Alors, si nous voulons que nos invités soient directement sous le charme de notre réveillon, il serait très important d'avoir un disque bien choisi pour les recevoir. Qu'est-ce qu'il faut acheter ou choisir pour avoir un réveillon réussi en 1971? Vous me mettez dans une situation embarrassante vis-à-vis des différents artistes vis-à-vis des disquaires. Il y a d'excellents disques, j'en ai quelques-uns ici qui actuellement feront certainement fureur dans tous les réveillons. Vous conseillez de tout enregistrer à l'avance quand c'est possible ou bien de travailler avec des long playing ou... Non, l'idéal reste tout de même les 45 tours. Mais il y a en tout cas des tubes à l'heure actuelle qu'il faut avoir. Il y a le thème de Shaft, qui est vraiment un 47 tours qu'on entend partout. Et alors à minuit, on se précipite sur sa partenaire. Et alors ça donne à peu près ça. Oh, c'est très kitsch tout ça, c'est pas tant. On vous a dit la semaine dernière que la mode cette année c'était la liberté. La liberté veut dire aussi folie. Et la dernière folie cette année, eh bien, c'est la mode kitsch. Donc c'est une sorte de farce, c'est une sorte de farce de démystification de la mode sophistiquée. Sur le buffet, on aura prévu à l'avance la vaisselle, les couverts, les verres marqués, beaucoup de serviettes en papier et des amuse-bouches piquées par exemple sur de beaux choux frisés passés à la bombe givrante pour arbre de Noël. Que les plats soient amusants, très faciles en tout cas, comme les saucisses chaudes que l'on mange avec les doigts. Ah, c'est toujours très joli. Mais comment ça va s'éteindre maintenant? Ça se de soi-même, bien sûr. On va tous souffler en même temps. Ayez de l'alcool, bien sûr, mais n'oubliez pas que la soirée va durer longtemps. Vous ne prévoirez donc jamais assez de glace, assez d'eau pétillante ou non, de jus de fruits désaltérants. Nous vous avons déjà parlé la semaine dernière des long drinks, peu dangereux mais très amusants et rafraîchissants. Calculez largement les proportions pour vos jus de fruits. Il y en a à peu près 8 verres dans un litre. Ne mélangez jamais le vin et la bière, bien entendu, au cours du repas. Il faut que l'esprit reste pétillant et léger jusque bien après minuit. Ces quelques idées devraient vous aider à préparer les bases d'une soirée réussie. Mais pour qu'elle soit parfaite, il faut surtout que vous soyez décontracté et que vous ayez vraiment envie de faire plaisir et de donner une soirée de bonheur aux vôtres et à vos amis. Toute autre époque, Gérald. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire, Barbara. Et voilà qui termine l'émission de ce soir. Mais attention, on se donne déjà rendez-vous le 16 janvier pour une émission spéciale depuis le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Un lieu emblématique s'il en est des liens entre la reine Elisabeth et les arts, plus particulièrement la musique, bien sûr, pour la présentation du second volet du documentaire de Nicolas Delvaux et de la princesse Esmeralda de Belgique concernant ses grands-parents, le roi Albert Ier et la reine Elisabeth. Un documentaire que C'est du Belge n'avait pas pu vous proposer le 5 décembre en raison de l'actualité et du décès de la reine Fabiola. Ce n'était bien sûr que partie remise. Voici un rappel en images de ce que nous découvrirons ensemble l'année prochaine. Infatigable, ma grand-mère à 54 ans était capable de parcourir l'Égypte à dos d'âne, de traverser des déserts,
de marcher à pas forcés des kilomètres, même malade, à la découverte d'un site, d'une pierre archéologique, dont elle avait entendu parler et qu'elle voulait voir absolument. Donc c'est ici que Jean Cabart a amené la reine pour lui montrer justement toutes ces gravures de toutes les époques. Les plus anciennes remontent à la préhistoire. Grâce à ma cousine Marie-Gabrielle de Savoie, nous avons pu découvrir un document exceptionnel et totalement inédit. C'est bien elle qui... Oui, je pense qu'avec ces carnets, on a vraiment une mine d'informations incroyable. Ce sont tous des documents qui sont totalement inédits. Ces carnets sont fondamentaux. J'ai découvert les convictions politiques profondes de ma grand-mère. C'était une réelle pacifiste. Et comme beaucoup, elle souhaitait agir pour améliorer la société, la rendre plus juste. Le rendez-vous est pris, Barbara. On se retrouve donc le 16 janvier 2015. En attendant, il nous reste une chose très importante à faire, et bien c'est de vous souhaiter un très joyeux Noël. Et une excellente année 2015. On se retrouve l'année prochaine. Au revoir. Pour jouer et peut-être remporter l'un des 10 abonnements de 3 mois à Paris Match, répondez à la question et téléphonez au 0905 56 450 ou envoyez belge suivi de la réponse 1, 2 ou 3, ainsi que vos coordonnées par SMS au 6020. Bonne chance. La Belgodyssée est un concours de...